On va parler maintenant du Canadien. La saison du Canadien a débuté hier. Piqué Subban qui n'a toujours pas de contrat. Comment ça va aller cette saison-là pour le Canadien? Une saison écourtée. Il ne faut pas commencer avec une série de 5-6 défaites parce que ça va être très difficile de participer aux séries éliminatoires. Simon Bédard est avec moi pour en parler. Salut Simon, ça va bien? Oui, numéro 1. Ok, là. J'avais oublié de faire une manœuvre sur le téléphone. Bon, ça va. Donc, le Canadien qui doit performer en début de saison parce qu'une saison écourtée, ça va être très difficile. Si on connaît quoi, 5-6 défaites en début de saison, ça va être assez difficile de participer aux séries. Oui, effectivement, Eric, je pense que c'est un début de saison qui s'annonce crucial. Écoute, j'ai été quand même un petit peu encouragé par la performance d'hier soir face au Maple Leafs au Centre Bell. L'exécution n'était pas parfaite, le synchronisme non plus, mais ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal, vu que c'est une nouvelle organisation. Il y a quand même 3-4 nouveaux joueurs. On avait seulement une semaine environ pour apprendre un nouveau système là, de jeu, donc je pense qu'il faut être un petit peu patient de ce côté-là. Ça reste que dans un calendrier aussi condensé de 48 parties, où est-ce que chaque club a le même objectif commun, dans le fond, c'est vraiment de connaître un très bon début là, de saison. Disons que je pense que les 2-3 prochaines là, semaines, ça va être vraiment crucial. Mais qu'est-ce qui pourrait aider le Canadien là-dedans? C'est qu'on dispute 7 de nos 9 premières parties au Centre Bell. Okay. Je pense qu'avec là, l'apport là, de la foule et tout, c'est des points à aller le chercher absolument, parce que sinon, ça pourrait faire très mal là, pour les semaines et les mois qui suivent. Je regardais l'alignement des Bruins de Boston. Il y a seulement 2 joueurs qui n'étaient pas de l'alignement la saison dernière, qui étaient en uniforme pour le premier match de la saison hier. Pour eux, c'est sûr que ils débutent la saison comme le Canadien, mais eux ont le même entraîneur, ont les mêmes joueurs, on peut dire, à l'exception de 2 joueurs. Donc, ça va être plus facile pour eux de reprendre le rythme. Les joueurs se connaissent le système. Alors que le Canadien, comme tu disais, bon, il y a un nouvel entraîneur, une nouvelle organisation, beaucoup de nouveaux joueurs. Va falloir faire vite. Je pense que oui. Écoute, je pense que les clubs, justement, les clubs qui n'ont pas procédé à beaucoup de changements au cours de la période morte, je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Pour eux, c'est quand même un peu plus facile. C'est certain que ça reste difficile pour tout le monde parce que ça fait quand même là, 3 mois que tu ne joues pas ensemble. Et même plus là, si on compte la période estivale. Mais je pense que pour le Canadien, aussi un club comme les Flames, qui ont été chercher Bob Hartley, entre autres, et Jacques Cloutier et Martin Gilina comme entraîneur adjoint, qui ont acquis plusieurs joueurs aussi. Là, on pense à Bégin, justement, qui est là. Qui est sur le quatrième trio. Camalary, qui est aussi arrivé très tard en fin de saison l'année passée. Je pense que ces deux clubs-là qui sont dans une situation similaire. Je pense que le Canadien, c'est en voie de se placer. On a quand même beaucoup de profondeur, là, autant sur le premier que sur le quatrième trio. Mais c'est certain que l'équipe aurait bénéficié davantage, je crois, d'avoir un camp complet de 3 semaines, 1 mois, et de jouer 7-8 parties hors concours afin que tout ça rentre en place. Et là, vraiment, ce qui est dur, c'est que l'équipe... Il faut que l'équipe assimile un nouveau système. Il faut que l'équipe apprenne à créer une certaine chimie. Il faut que l'équipe apprenne à se connaître dans un contexte où est-ce que chaque match compte en partant, où est-ce que chaque match est rendu crucial. Donc, je pense que la marge de manœuvre est vraiment mince. Puis il faut qu'on soit patient. Moi, je pense que cette saison, pour les partisans du Canadien, pas trop d'attente en tant que telle. Ça va être un peu comme... je pense qu'on va vraiment taper la voie à 2013-2014 cette année. C'est comme un long camp, dans le fond, qui va peut-être... durer 3 mois environ. Une année transitoire entre l'an dernier qui était très difficile et l'année prochaine où on espère plus de succès. Le premier trio, bon, c'est les 3 joueurs qui se connaissent, qui ont obtenu du succès la saison dernière. Tomáš Plekanec, ben là, se retrouve avec Brian Gionta qui n'a pas joué depuis plus d'un an, a été blessé l'an dernier. Ouais. Et de l'autre côté, ben, pour l'instant, c'est Alex Galchenyuk. Est-ce qu'il va passer la saison? Ça reste à voir. Troisième, quatrième trio, c'est sûr qu'il y a plus de profondeur, des joueurs aussi qui vont amener un peu plus d'intensité, alors que l'an dernier, des joueurs comme Louis Leblanc ne produisaient pas offensivement, et puis à côté robustesse également, n'amenaient pas grand-chose. Donc des joueurs qui... Il y avait beaucoup de joueurs qui se ressemblaient cette année. Bon, il y a des joueurs offensifs, des joueurs robustes, des joueurs défensifs, peut-être un peu plus complets, mais peut-être pas l'équipe là, pour terminer au premier rang dans l'Est, mais...
Peut-être un peu mieux déjà que l'an dernier. Effectivement. Puis écoute, je pense que c'est au cours des dernières journées, là, j'ai vu le troisième et quatrième trio du Canadien lors du dernier match de la saison de l'année passée face aux Leafs. Et on avait des joueurs comme Gabriel Dumont, ouais. Michael Blondin, Leblanc justement, Brad Staubitz, là, qui se souvient bien, a joué quand même plusieurs parties là, au cours des derniers mois. T'es loin d'être le meilleur au niveau hockey. Jeffrion aussi a joué. Troisième et quatrième trio, on a des joueurs comme Brendan Prost, Colby Armstrong, Ryan White, on a Travis Moen. Écoute, c'est plusieurs joueurs là, qui, même si c'est pas des grands joueurs, je pense que hier on a vu que c'est des gars qui peuvent apporter aussi de l'offensive, qui peuvent apporter plusieurs bonnes choses au club. Donc moi, je trouve que c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a autant de profondeur sur les deux derniers trios actuellement comparé à l'année passée où est-ce que en toute fin de saison, là, les troisième et quatrième trios avaient peut-être plus l'air d'un club de la Ligue américaine un petit peu, je trouve. Oui, puis il y a plusieurs de ces joueurs-là qui étaient réguliers l'an dernier en fin de saison avec les Canadiens, qui jouent à Hamilton cette année. Et puis l'équipe, ben, est la dernière de la Ligue américaine. Fait que des joueurs qui n'étaient peut-être pas de calibre à jouer dans la LNH la saison dernière. Là. Non, je pense que ça a été vraiment une saison pénible. Et c'est pourquoi là, que des gars comme Aaron Palouchet, justement, ne devraient pas, là, à moins d'un revirement de situation majeure, ne devraient pas venir jouer beaucoup de parties à Montréal cette année. On pense à des gars comme Andreas Enquist aussi. Louis Leblanc pourrait peut-être dépanner, mais ne connaît pas le début de saison espéré à Hamilton. Il avait connu un bon début de saison avant de se blesser dans un combat et puis rater là, quelques semaines. Depuis ce temps-là, là, c'est pas le même joueur parce qu'au début, il avait eu quoi, 4 points en 3 matchs, quelque chose comme ça. Oui, c'est vraiment mais depuis dur. Depuis ce temps-là, là, c'est beaucoup de difficultés. C'est vraiment dur pour lui. Puis je pense que pour un joueur qui a joué quand même beaucoup de parties à Montréal la saison dernière, un joueur qui était aimé du public, bon, parce que pas parce que c'est le meilleur joueur offensif, parce que c'est un choix de première ronde et que c'est un petit gars quand même là d'ici. Je pense que ça a été quand même difficile pour lui de ne pas être invité au camp là, cette année. C'est certain que il va encore avoir une chance au cours des prochaines saisons. Je pense que c'est pas carrément de lâcher prise dans le cas de Leblanc. Mais je pense que si je me mets à sa place, après avoir joué plusieurs matchs à Montréal, avoir fait ma place quand même, de ne pas être appelé au camp, c'est certain que c'est quand même difficile pour lui. Faut pas oublier également que c'est un choix de première ronde. C'est sûr que le Canadien va lui donner plus de chances qu'un joueur repêché en septième ronde pour bien paraître. C'est sûr, mais on s'en rend qu'il ne sera jamais un joueur offensif comme tout le monde pensait lorsqu'il avait été sélectionné en 2009. Ça va être un bon joueur de troisième trio. Il pourrait dépanner très bien sur le deuxième trio des fois, mais ce ne sera jamais un joueur offensif d'impact. Et reste à voir si sa blessure va peut-être lui faire mal à long terme parce qu'actuellement, sa blessure est en train de vraiment ruiner sa saison actuellement. Sa confiance en souffre aussi. Et pour un joueur québécois à Montréal, c'est jamais facile non plus vraiment de vivre avec ça. Donc, je l'espère pas. Je pense que c'est encore un joueur qui pourrait apporter beaucoup au club au cours des prochaines saisons. Mais actuellement, je pense que c'est vraiment une situation difficile pour lui. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ça vraiment non plus. Et puis pour des jeunes joueurs, aussi bien jouer à Hamilton et garder un joueur comme Blondin, qui n'est pas nécessairement l'avenir du Canadien comme 13e attaquant, qui va jouer une fois de temps en temps. Aussi bien faire jouer les jeunes joueurs Hamilton, et puis garder un joueur le plus âgé comme 13e attaquant à Montréal. Au niveau défensif, bon, il y a 7 défenseurs actuellement avec le Canadien. Le 76 n'est toujours pas sous contrat. Ouais. Si le Canadien connaît un très bon début de saison, mettons 2 défaites dans les 10 premiers matchs, ça va être difficile pour lui d'avoir le contrat qu'il demande, mais si le Canadien connaît un début de saison difficile, une victoire dans ses 5-6 premiers matchs, ben là, ils vont peut-être décider de le signer à plus haut salaire. Là. Effectivement, mais je pense que hier, là, l'absence de Piquet-Souban a vraiment paru. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu le match comme moi, mais en avantage numérique, c'était laborieux. Je pense que André Markov est correct, mais je pense que son genou va tout tenir le hanter un petit peu. On voit que lorsqu'il patine, là, n'est plus le même défenseur aussi fluide qu'avant, n'est peut-être plus aussi confiant qu'avant. Tomáš Cabrera, à mes yeux, a connu une soirée de misère hier en avantage là, numérique. Plusieurs fois qu'il y a des passes, là, qu'il a échappé des passes à la ligne bleue adverse. Et lorsqu'on échappe des passes comme ça, ben, le Canadien manque dans le fond de temps pour orchestrer une certaine menace. Il faut tout recommencer. Donc, écoutez, en plein ça. Donc, écoute, Cabrera, j'ai vraiment confiance en lui. Il a perdu beaucoup de poids. Ouais, ouais.
On dit qu'il va absolument racheter une saison qui a été difficile l'année passée, mais hier, là, il m'a pas impressionné beaucoup. Donc, en avantage numérique, là, je pense que Subban manque vraiment au club. Je pense que les partisans l'adorent. Les partisans ont besoin de lui, dans le fond. Je pense que les partisans veulent qu'il fasse partie là, du club. Mais je suis certain que Piqué-Subban n'est pas prêt de flancher sur le contrat à long terme qu'il vise. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage là-dedans, parce qu'on s'entend que Carey Price et Max Pacioretty, avant de décrocher là, le contrat qu'ils ont eu au cours des dernières années, c'est des gars qui ont dû passer par le fameux pont de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, le contrat moyen pour acquérir de l'expérience, faire un petit peu leur preuve avant de peut-être viser un contrat à plus long terme. Subban est encore très jeune, il y a encore beaucoup de maturité à aller chercher et tout. Donc, je pense qu'il n'est pas encore prêt à passer au même stade que les Tyler Myers ou ainsi de suite. Drew Doughty également. Donc, effectivement, donc je pense que... C'est un joueur, Subban également, qui n'est pas reconnu comme étant le plus facile à diriger, que ce soit sur la glace, hors de la patinoire également. Donc, ça peut jouer en sa défaveur également. Oui, donc c'est vraiment une situation difficile. Je pense que le Canadien, avec la saison qu'il a connue l'année passée, là, et vraiment l'encore qui lui fait mal à plusieurs partisans et au club, n'avait pas besoin d'une traction comme ça. Les joueurs refusent de dire encore que c'est une traction. Il paraît que Josh Georges là, a tenu des petits propos un petit peu subtils à l'endroit de Subban à Richard Labbé là, de la presse samedi matin, qui en disait long sur ce que les joueurs peuvent penser de lui actuellement. Donc, je pense que j'espère vraiment là, pour le club et pour Marc Bergevin, surtout que le Canadien va connaître une très bonne semaine et peut-être même empocher plusieurs victoires au cours des prochaines semaines. Parce qu'hier, les partisans se sont mis déjà à huer en fin de match. On ne sera pas patient cette année. Surtout que c'est un des préférés de la foule également. Effectivement. Donc, vraiment, là, si le Canadien continue à avoir autant de misère en avantage numérique, on sait que ça a été une très grosse lacune l'année passée, seulement 1 but en 5 avantages numériques hier. Je pense que Subban va vraiment manquer au club. Donc, il faut absolument que le Canadien trouve une façon de s'en sortir, ou que Subban accepte finalement de peut-être signer un contrat de 2 ans, 3 ans, parce que sinon, ça pourrait faire très mal à l'équipe au cours des prochaines semaines, parce que Subban, qu'on l'aime ou non, il a des qualités pour un jeune là, qui sont indéniables, et je pense qu'il peut apporter beaucoup là, au club. Et en terminant, on va parler de Jonathan Huberdeau, qui a connu du succès à son premier match avec les Panthers, et puis Mikhail Grigorenko, qui a disputé son premier match aujourd'hui avec les Sabres de Buffalo, a été blanchi, une fiche de moins 1. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il passe la saison avec les Sabres? Écoute, moi, je faisais partie de ceux qui étaient un petit peu sceptiques. Patrick Roy aussi, là, l'autre fois, avait dit qu'il n'était pas encore tout à fait prêt. Mais je pense que c'est un très, très gros joueur. C'est un joueur là, qui a des habiletés qui font aucun doute. Donc, c'est certain que ça va pouvoir l'aider. À Buffalo, il est dans un environnement là, très, très professionnel, une organisation de première classe. Je pense que Lindy Ruff, qui est entraîneur-chef du club, c'est un entraîneur d'expérience qui est là depuis plusieurs dizaines d'années. Il joue avec un très, très bon club. Donc, pour son développement personnel, c'est excellent. Donc, on pense qu'on va vraiment prendre les 5 matchs pour évaluer le joueur en tant que tel. Ça va le faire jouer sur un des 2 premiers trios, voir s'il est de calibre. Parce que pour lui, je pense que c'est mieux qu'il évolue sur un des 2 premiers trios que d'évoluer comme 12e, 13e attaquant et être laissé de côté à l'occasion. Surtout en début de saison, là, on va vouloir le voir jouer, puis par la suite, ils vont prendre la décision. Je pense que c'est un joueur offensif. Ouais. Si les Sabres ont en fait leur choix de première ronde là, l'été passé, je pense pas que c'est pour occuper un rôle défensif. Effectivement. Donc, je pense que c'est un joueur qui a tous les atouts pour avoir du succès un jour ou l'autre dans la Ligue. Est-ce qu'il est prêt vraiment à jouer les 48 parties cette année? Ça reste à voir. Ça va être aux Sabres de juger par rapport aux performances du club et au personnel qu'ils ont en place. Mais c'est certain que ça va être un joueur offensif. C'est sûr qu'on va quand même vouloir lui donner le plus de chances possible de se faire valoir. Et les Sabres semblent avoir un club là, qui va être très, très dur à battre là, cette année. Donc, c'est certain que pour lui d'évoluer, de se développer dans un environnement gagnant comme ça, ça ne pourra pas là, lui faire là, de tort, ben je dirais.
Donc, un début de saison qui va être assez intéressant à suivre. D'habitude, au début, les camps d'entraînement en septembre, au mois d'octobre, les premiers matchs, on se dit, la saison est longue, c'est le temps de changer. Une équipe qui est 10-11e peut aussi bien terminer 2-3e. Mais là, dans 2 semaines, une équipe qui va être dans le bas du classement, ça va déjà être difficile. Donc, un début de saison assez intéressant à suivre au courant des prochaines semaines. Oui, je pense que ça va être comme, à fond, ça va être un sprint, là. Je pense que le sprint est vraiment en cours déjà. Chaque match est rendu crucial, chaque match compte. Donc, on peut, dans une saison comme ça, où est-ce que chaque club a une chance, là, une chance égale, je pense qu'on peut avoir plusieurs belles surprises, des déceptions aussi. Donc, actuellement, je pense qu'on a droit à du très, très bon hockey. C'est certain que des fois, il y a des matchs que j'ai vus hier, que le tempo, le synchronisme n'était pas encore à point parce que ça fait quand même longtemps. C'est pas tous les joueurs qui ont eu la chance de jouer soit dans les ligues américaines ou dans des ligues d'Europe, mais ça reste quand même que les joueurs ont l'air quand même en forme, ont l'air prêts à offrir un très bon spectacle aux fans, qu'est-ce que les fans méritent aussi dans le fond là, d'ailleurs. Donc je pense que plus que les matchs, plus que les semaines vont avancer, plus que le jeu va être encore là, relevé, et je pense qu'on peut s'attendre à une très grosse saison en 2013. En terminant, c'est sûr que ça peut être difficile à dire, mais est-ce que tu oses te mouiller avec l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley? Écoute, la Coupe Stanley, ça, c'est vraiment dur à dire actuellement, parce qu'il y a seulement un match ou deux là, de jouer. Oui, très difficile actuellement. Dans l'Est, là, j'ai ciblé 3 clubs clés. On pense bien sûr aux Pingouins de Pittsburgh qui ont encore justement gagné un 2e match en ligne aujourd'hui. À chaque année, c'est une formation qui fait preuve de stabilité, c'est une formation là, qui est toujours là, constante. Plusieurs bons joueurs à Pittsburgh qui font en sorte que ce club-là est toujours à prendre au sérieux. Les Rangers aussi, là, qui même s'ils ont perdu leurs 2 premières parties avec l'acquisition de Rick Nash, on ne peut pas vraiment nier le fait que c'est un club qui va être difficile à affronter. Lundqvist devant le filet, on pense à des joueurs comme Richards aussi qui est là. Ça pourrait être une formation qui ferait aussi faire peur. J'ai hâte de voir les Capitals de Washington dans l'Est aussi. Là. On sait que c'est une formation qui connaît souvent beaucoup de succès en saison. En série, c'est peut-être un petit peu plus difficile avec le changement d'entraîneur. Un nouvel entraîneur à nouveau cette année. Un autre qui est là. Donc, on sait que c'est un gars qui a de l'expérience, qui joue beaucoup, beaucoup de parties dans la Ligue aussi. Et avec Ovechkin, l'année passée, on sait que Dale Hunter s'est pas très bien entendu. Ça ne peut-être pas cliquer à 300% entre les deux. Est-ce que Holtz va être capable de bien s'entendre avec Alexander Ovechkin? Si la réponse est oui, ça pourrait être vraiment un atout de plus pour le club. Et écoutez, dans l'Ouest, c'est vraiment difficile. Il y a plusieurs bons clubs, là. Mais encore une fois, je pense que les Blues de Saint-Louis vont être une formation qui va être à avoir à l'œil. Yaroslav Savalak hier a été incroyable. Et que dire du jeune Tarasenko, là, qui à son premier match a marqué 2 buts, dont un qui était vraiment incroyable. Donc ça, c'est peut-être, à moi, c'est peut-être déjà un des candidats pour le trophée Calder. Et sinon, il y a plusieurs bonnes formations dans l'Ouest. Donc. Les Kings, pensons à eux, toujours qui pourraient encore à nouveau connaître du succès cette année. Les Canucks également. Les Canucks aussi, oui. Je pense qu'hier, ça a été plus dur là, pour les Kings. Jonathan Quick n'a pas connu peut-être le départ souhaité, mais vraiment, les Blackhawks avec Jonathan Taves et Patrick Kane qui ont été vraiment incroyables, qui ont vraiment gâché le party à Los Angeles. Donc ça, c'est un autre club qui, année après année, surprend plusieurs bons jeunes joueurs voués à un très, très bel avenir aussi qui sont là. Donc, je pense que ça va être une bonne lutte partout. Et aussi le Wild, là, je pense, avec l'acquisition de Zach Parise et de Ryan Sutter, là, qui n'ont pas vraiment le choix de connaître du succès, parce qu'on parle de 2 joueurs là, qui ont décroché la lune l'été passé. Et c'était aussi une formation qui semblait être en voie de connaître quand même beaucoup, beaucoup de succès aussi l'année passée. Une saison bien intéressante à suivre au courant des prochaines semaines. Mais merci beaucoup, Simon. On pourra se reparler au courant des prochaines semaines pour suivre cette saison écourtée dans la LNH. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Salut.